J'ai connu une personne qui est morte avec une Bible dans la poche. Et pendant des années, il a marché avec cette Bible. Pendant des années, il n'a jamais permis à Dieu d'entrer dans sa vie. Pendant des années, il a toujours résisté à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, tu résistes peut-être à l'appel de Dieu. Il y a peut-être un domaine dans ta vie où tu es en lutte perpétuelle avec Dieu. D'un côté, il y a ce que Dieu te demande de faire, et d'un autre, il y a ta volonté, et tu résistes. Tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 8, il est dit, « Si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Demain. » C'est ce qu'on dit souvent à Dieu lorsqu'il nous demande de prendre une décision. Demain. Demain, j'arrête de boire. Demain, j'arrête de fumer. Demain, j'arrête de faire n'importe quoi avec ma vie, avec mon corps. Demain, demain, demain. Mais je vais te dire quelque chose, mon ami. Demain peut devenir ton pire ennemi parce que demain, peut-être, n'arrivera jamais. La Bible dit aujourd'hui, pas demain. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, c'est maintenant, dès à présent, que tu dois prendre une bonne décision. Celle d'obéir à Dieu. Et alors que tu décides d'obéir à Dieu, tu peux t'appuyer sur lui. Il te donnera la force, la capacité, la volonté d'accomplir sa volonté. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu connais son cœur, tu connais sa vie, il n'y a rien qui t'échappe. Tu sais aussi, Seigneur, tout ce qui te déplaît chez lui. Et tu n'es pas celui qui juge, tu n'es pas celui qui condamne, tu es celui qui vient chercher celui qui est perdu. Alors je te demande de poser ta main sur sa vie. Donne-lui ce dont il a besoin pour t'obéir et pour marcher à ta suite. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, mon ami. Obéis à Dieu et pour toi, ça sera l'assurance d'avoir sa présence à tes côtés. Allez, ciao. J'espère que cette vidéo t'a béni, mon ami. Alors, je te demande trois choses. La première, tu la partages. La deuxième, tu la likes. Et la troisième, tu t'abonnes. Allez, ciao.